Bonjour à tous, bienvenue dans la pause café de Matsoun. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Petite pause café, une partie, une prise audio, et on voit ce que ça donne. Je vais essayer d'en faire plusieurs pour réussir à faire un bon record. Voilà, donc là, on est parti avec le Loren Carrington sur la vallée enneigée, une map que je ne supporte pas spécialement. Et je vais peut-être flanquer un petit peu, ou au moins essayer de flanquer. Je ne vais pas aller directement sur le point A, je manque de blindage. Surtout qu'on est en 7-7, hein, faut pas l'oublier. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de petites vidéos de prévues. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous avez vu un petit peu la mise à jour qui devrait arriver. Ça va être sympa, sympa. Un nouveau moteur graphique. Le Charles Leclerc S2. C'est très bien, mais moi je joue de moins en moins. Ah, un petit véhicule russe. Boum. T55A en moins. T'es en train de grimper à l'église pour sniper. Bon là, il y a un object qui a été détecté, il vient de détruire un allié, un deuxième allié. Vous voyez, ça flanque, c'est ce que je disais. T54 en sniper sorti de spawn. Il a raison, il s'est infiltré. Il joue son fourbe. Allez, premier coup. Terminé. Je pensais que c'était l'object. Je sais pas où il est l'object. Ah, il vient de tirer. Il doit être à droite là. Ouais, l'object 906, il est là. Bon, il m'a pas vu. Par ici, toi. Ouais, le Loren, il est sympa. Il est devenu beaucoup plus jouable. Hein. Il est passé de 20 000 de repas, enfin un peu plus de 22 000, je crois, à 9 000. Bon, il est toujours en 7-7, hein, mais il est beaucoup plus jouable, on va dire. Je le rejoue un petit peu. Donc, ouais, nouveau format, petite pause café. Je me prends plus la tête. Je record. Soit en replay, soit en direct. Là, j'ai vu un truc. Ah, T62. Ah non, 8-3. Ok. Bon, le point A a été capturé. Ah, elle est complètement débile cette prise de point. Ah, un object. Enfin, un russe. Char léger. Ah, la stabilisation du canon. Je me suis fait avoir. J'aurais dû y aller tout de suite. J'ai très mal joué. Bon. C'est pas grave. On va sortir le F4U2. Spécial cancer. Âme sensible, s'abstenir. Les roquettes Matra sont d'une violence inouïe. Elles percent énormément. J'essaierai de faire des coupures sur ces pauses café pour éviter que ça dure trop longtemps. Parce que il m'arrive bien souvent de faire des parties. Il y a des hélicos. C'est le problème du Loren, c'est qu'il se retrouve face à du 8-3. Voire pire, je me suis retrouvé en 8-7 contre du léopard A1-A1. Qu'à cela ne tienne, ça reste un bon véhicule. Là, il y a une DCA. BMP, je sais pas ce que c'est. Putain, je suis mauvais. BMP1. Ouais, c'est violent, les roquettes, Matra. Surtout sur des véhicules légers. Je trouve que cette prise de point est très compliquée parce que vous êtes très vite verrouillé, vous pouvez pas flanquer. Elle est vraiment petite, cette map. Il est beau, ce F4U. C'est un monstre. Ah, ça respawn. Il y a du spawn protect. Je vais envoyer une bonne slave. Vas-y. Petite DCA. Quoi? Sérieux, je suis nul. Très mauvais là. Je pensais l'avoir quand même. Hein. Je suis un peu surpris que la DCA, la ZSU, soit pas détruite. En même temps, c'est des obus. C'est des roquettes AP. Hein.
Elles ont une capacité pénétrante très importante, mais elles n'ont pas une grosse charge explosive, entre guillemets. Loupé mon passage. De toute façon, on sait comment ça va se terminer. Pas rentrer sur la télé dessus. Il est quand même beau ce Corsair. Hein. Superbe avion. Hein. Commandé la dernière génération, commandé spécialement pour la France. Un monstre de puissance. Yes! Ah bah quand même, j'ai un peu plus de chance. Type 59, des 54 chinois. Par contre, peut-être qu'on avance un peu plus. C'est vrai que là, on est face à du T-55 M1. On est face à des gros véhicules. Hein. Ils sont très très bons, les Russes, en ce moment. À ces BR-là, ils ont été un peu buffés par les obus volumétriques. J'espère que la prise de son sera pas trop mal. Ah, bien joué. Le BMP1 qui m'a mis une roquette à la TGM. C'est de bonne guerre en même temps. Je suis un peu cancer, je l'admets. Bon, j'ai fait quelques kills quand même. Je vais respawn avec quoi? MX50. Ouais, c'est parti. Full obus 59. Bon, on a pris le point, c'est plutôt bon signe. Un début de partie un peu difficile. Ah, ça faisait un bail que j'ai pas joué les FR. Je joue plus beaucoup les FR. C'est une nation qui est pas rentable du tout, qui coûte très cher. Français le savent. Ça fait trois fois que je le dis. C'est vrai, la nation française coûte beaucoup trop cher. Elle est pas très compétitive, malheureusement. T95. Bah alors, pépère, on se traîne. Blocos. Je vais pas briser derrière lui. 54. Ouais, ça passe pas. C'est compliqué, hein. Là c'est du gros quand même. Hein. Je suis quand même l'autière. Il a défoncé le... C'est la flak, la guéparde qu'il a eu. Bien joué. Il y en a un deuxième. Non, c'est une IS-4M. Yes. On est quand même un petit peu acculé quand même. On est quand même... On est quand même pas bien. Ils ont beaucoup de points d'avance, les gars. Oh non, je l'ai pas vu. Oh, il est juste là. Alors ça, c'est le mauvais timing. Non, je vais respawn dans la D4. Quoique... Peut-être prendre la MX-50 sur blindé, sur BC, pardon. Il reste du monde, hein. Oh. Ah, c'est fait complètement pulvériser. Nettoyer. Ouah, ça sent la défaite. Encore une partie. Finir à la poubelle. Et je vais pas tarder à aller manger, je meurs de faim. Ça passe. Ouais, bon, alors sur blindé, sur BC en 7. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et 2-1. Et 2-2. Deuxième Z déçu. Qui est passé.
Hein, il fait mal, hein, la ligne 50. Il est ouf. Ah, je vois rien du tout. Satané graphisme. Il est là. Ouf. Bingo. Yes. Bon, bah, j'ai nettoyé 3 mecs. Pff, il y en a un là. Vas-y, 85. Wow, il m'a pas vu le T-44. Ah oh, merde. Ah ça pouvait pas durer. Hein. J'ai fait un nettoyage. Ah c'est un BMP qui m'a foutu en feu. Je peux plus tirer, si. Ah si, bim. Allez. Oh là là, cette passe énorme. Je sais pas combien de destructions j'ai faites. Excellent. Ah c'est une... Comment c'est une... Ah non. Oh, j'ai pas de dépression. Help. Help, s'il vous plaît. Je sais pas ce que c'est, mais elle me défonce. Elle est dure, cette partie. Hein. Bon, mon espérance de vie est pas très... Allez, les gars, faut y aller. On lâche rien. On va se faire bomber. Ouais, il est bien en 7-7, hein, le surbaissé. Hein. J'ai survécu à la bombinette. Ok, il y a du monde. Temporiser un peu. C'est chaud, chaud, chaud là au niveau ticket. T-54, bien. Non. Sérieux, je le passe pas. Je pensais que je passais la caisse. Bon. Je peux encore jouer. Bon, bah, une grosse game quand même. Hein. Je meurs beaucoup, mais je fais le taf quand même. On va peut-être la garder celle-ci. 13 kills, c'est quand même pas mal. C'est bien, même si je meurs souvent, un peu trop. Ça fait quand même plaisir de jouer les barillés français, ça envoie du lourd. C'est pour ça qu'ils ont été nerfés, bridés, tout ce qu'on veut. Ils, c'est qu'ils sont quand même, ils peuvent être super violents dès que vous placez correctement. Vous flanquez, vous êtes un monstre. Hein. Entre le Lorraine, le surbaissé, la MX-50, enfin tous, hein, la MX-13, ils sont monstrueux. Dès que vous flanquez, hein, bien sûr. Dès que vous jouez un petit peu. Dès que vous jouez bien, quoi. J'espère que je... Si je l'active. J'avais un doute. Eh ben, si on la gagne, c'est champagne. Ça semble plutôt... Personne. Je pense que qu'elle win. Yes. Bon, bah, une super partie. C'est good. Bonne pause café, comme je les aime. A plus. Et puis, bah du coup, à bientôt. 13 kills, mort 4 fois. Bon, c'est pas glorieux, mais c'est plutôt pas mal. Et j'ai gagné combien dans tout ça? Plus de 100 000, c'est quand même pas mal. Avec un petit 15 000. Voilà, à bientôt. Ciao!